Fiz frio, né? Diaspora. Estava bem com ela. Regardei meu pimão. Le pimão decoratif. Pimão decoratif. On dit que ce n'est pas comestible. J'ai goûté, c'est très très bon. Je suis toujours vivant, je ne suis pas mort. Et tu peux manger des piments décoratifs. Ce sont des piments. Un piment reste un piment. Il n'y a pas de poivron décoratif, donc il n'y a pas de piment décoratif. Ce n'est pas vrai. Il y en avait des jaunes, des rouges, des oranges. Je les ai tous mangés? Non, je ne les ai pas tous mangés. D'ailleurs, il faudra que je rentre ceux-là, que je les mette dans un pot, tous ensemble. Même s'ils sont les uns sur les autres, c'est pas grave. On regardera si l'année prochaine, ils seront toujours vivants. Mais en tout cas, c'est là que j'en ai fait la récolte. Regarde, j'ai coupé tous les piments. Je disais, où est-ce qu'ils sont disparus? J'en ai un qui est parti dans mon ventre. Hein. C'était très bon. Enfin bref, j'en avais d'autres là-bas, mais je peux pas te les montrer. Je les ai montés. Mais en tout cas, tu vas venir avec moi. On va regarder où est-ce que je les ai mis en haut. Ben voilà, là il y en a un ici. Ben tu vois, il est pas tout seul, il va pas s'ennuyer. À côté des jouets des gamins, comme il n'y en a pas de gamins, on va les mettre ici, ils vont être trop chauds. Voilà, et les autres, ils sont où? Ils sont juste derrière, regarde-moi ça. Ils sont dans un monde féerique. Voilà, et maintenant, c'est dont j'ai fait la cueillette, je vais les rentrer aussi. Je vais les amener ici, mais il faut que je les mette dans des pots comme ça, tous ensemble. Ils vont passer l'hiver, et après je vais les sortir à l'été. Comme ça, et ben, avec la nouvelle saison, donc au printemps et tout ça, et ben, il y en aura les abeilles et tout ça, ils vont butiner, et ça va faire encore des piments. Et ceux-là, je ne sais pas s'ils vont mûrir, dis donc. J'aimerais bien savoir. Vont mûrir ou pas mûrir à l'intérieur? Ils sont en dessous de Vatistas. Vatistas, qu'est-ce qu'on a de scotch sur la vitre? Ben, ils sont juste en dessous. Comme ça, ils vont voir un peu. Quand il y aura du soleil, ça va chauffer un peu. Et voilà. Et je vais te montrer. On va les faire sécher, ceux qui sont mûrs. Ceux qui sont rouges, orange, jaune. On va les faire sécher. Je vais te montrer un peu. Et je te reprends. Ben voilà, ils sont très beaux. On dirait des berlingots à la bergamote, mais là c'est des piments, faut pas confondre, hein. Tu crois c'est sucré, tu craques, tu brûles, ça pique. Bon, en tout cas, je te dis à bientôt, on va les faire sécher tranquille, d'abord à l'air libre, après on va les mettre dans la sécheuse. Je te fais un gros bisou, je te dis à bientôt, prends soin de toi, à très bientôt. En fait, tu peux souscrire, si tu veux souscrire, souscris, tu partages pas, il n'y a pas de problème, tu ne veux pas souscrire, tu ne souscris pas. Tu peux mettre un pouce en haut, un pouce en bas, c'est comme tu veux. Tu mets un commentaire cela, si tu mets un commentaire cela, c'est un commentaire gentil, il n'y a pas de problème, c'est constructif. Et bien, je te dis à bientôt, je te fais un gros bisou, à bientôt!